السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الجديدة ديال لنتعلم الفرنسية. في هذه الحلقة هذه غادي نتعلموا كيفاش نقراو، نتعلموا لا ليكتور بالفرنسية. اول حاجة غادي نديروها باش نوليو ونعرفوا نقراو هي نعرفوا الحروف، يعني الدرس الاول الحروف بالفرنسية. ا ب C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. دابا غادي نشوفوهم هم مكتوبين بالكورسيف. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. وهم مكتوبين بسكريبت مينيسكول اي ماجوسكول، يعني الصغير وحده الكبير. ا ا ب ب C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. دابا باش نديرو لا ليكتور كنجمعو واحد الكونسون مع فوايل. لي فوايل هما ا اي او او اي 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 غريك. عندنا 6 ديال لي فوايل في اللغه الفرنسيه. غادي نبداو بالاول، هو ا ماجوسكول يعني الكبير،
minuscule, كورسيف ماجوسكول اي مينيسكول و غادي نبدا نقراو ا بي مع ا هو با ام مع ا ما ال مع ا لا دي avec A, da. T, avec A, ta. F, avec A, fa. S, avec A, sa. Ba, ma, la, da, ta, fa, sa. Puis on passe à la lettre E. B avec E, B, M avec E, M, L avec E, le, D avec E, de, T avec E, te, F avec E, feu, S avec E, se. On passe à la lettre I. B avec I, B, B, M avec I, mi, L avec I, li, D avec I, di, T avec I, ti, F avec I, fi, S avec I, si. On passe à la lettre O. B avec O, bo. M avec O, mo. L avec O, lo. D avec O, do. T avec O, tout. F avec O, faux. C avec O, saut. La lettre U. B avec U, bu. M avec U, mu. L avec U, lu. D avec U, du. T avec U, tu. F avec U, fu. S avec U, su. لنقرأ كلمات سهلة. L'abeille, l'abeille. Le bain, le cochon. Un dinosaure, l'escargot, le filet, une girafe, le hibou, l'iglo, l'iglo, la jambe, le karaté, le lion, à la fin,
Voilà un petit exercice. Vous avez une photo et deux syllabes. Vous allez écrire le nom de l'objet que vous voyez sur la photo à l'aide des syllabes que vous voyez sur la feuille au-dessous de la photo. Vous avez bro, ce, bro, ouette, carte, casse, tor, citron, cloche. Écrivez sur vos cahiers les noms de ces objets à l'aide de des syllabes qui sont au-dessous de des photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien amusé et j'espère que vous avez bien appris les syllabes et les lettres d'alphabet. Merci beaucoup et à bientôt.